Menchior, c'est une véritable institution, une entreprise fondée en 1850 par Pierre-Joseph Menchior et son épouse. Nous sommes aujourd'hui en 2014 et à la barre de cette PME familiale, une sixième génération de gestionnaires. Chez Menchior, on exerce les métiers de sculpteur, staffeur et ornementaliste. Depuis 2001, l'entreprise familiale s'est installée dans le parc économique industriel Bonne Fortune à Anse. Sculpteur, nous travaillons la terre glaise. Staffeur, c'est la matière qu'on travaille, donc c'est un plâtre naturel, armé, avec des fibres naturelles, notamment de la sisale, qui est une fibre que l'on trouve dans les agaves, dans les cactus, donc qui est nettoyée, qui est ajoutée dans toute l'épaisseur de nos moulages. On arrive à faire, notamment grâce à cette technique, des moulures de 3,60 m de long, ce qui donne un coût moins important au placement. Quand vous avez des peintres ou des professionnels qui doivent placer, évidemment, ça coûte moins cher chez leurs clients. Il y a moins de joints à réparer. Menchior se présente en deux entités aux activités différenciées, Menchior et Fils, artisan du patrimoine, et les ateliers Menchior, l'artisan fabricant. Les deux structures partagent les mêmes installations. L'art de la rénovation des belles demeures privées, la restauration des édifices publics et immeubles classés, la gestion de chantiers et la simple pose d'ornements sont une spécialité Menchior, sans oublier la création et la fabrication d'éléments décoratifs en staff suivant les anciennes traditions familiales. Sur Liège, on a travaillé pas mal au pont de Fragny, notamment tous les décors qui sont sur les candélabres, etc. On a refait le modèle pour les fondeurs. Donc il n'y avait plus de modèle, à la guerre ça a disparu, on a travaillé d'après photo. Donc ça a été remis. Alors tous les décors, et vous avez des guirlandes de coquillages, des choses comme ça, qui sont en pierre. Tous les décors ont d'abord été réalisés en terre et puis en plâtre pour leur donner pour le sculpteur. Il y a le forum de Liège, ça c'est 2 ans de travail aussi. L'église Saint-Antoine, Saint-Denis. On a travaillé pas mal à la cathédrale aussi. Donc ça, c'est Liège. Maintenant, on est développé et on travaille un peu partout. L'expertise toute particulière de Menchior se voit reconnue par l'Institut Wallon du patrimoine où l'entreprise y est formatrice. Nous sommes 7 personnes à travailler sur le site. Notre chiffre d'affaires atteint plus ou moins 400 000 euros pour les deux sociétés. Vous l'avez compris, Menchior, c'est une entreprise au savoir-faire artisanal à nul autre pareille.